Salut, c'est Nico, alias Barbe Brune. Peut-être un futur nom de chaîne YouTube, qui sait. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à beaucoup de questions qui m'ont été posées ces derniers temps. Pour répondre à ces questions, j'ai pas trouvé de meilleur moyen que de présenter la liste complète des éléments que j'emporte avec moi quand je pars bivouaquer. Le contexte, c'est important de préciser le contexte. Déballer mon matériel comme ça devant vous, sans préciser ni où je pense m'en servir, ni à quel moment de l'année je pense m'en servir, pour moi, ça a ni queue ni tête. Donc dans cet exercice délicat de la présentation de mon matériel de bivouac, je vais commencer par préciser le contexte. Donc on est en période chaude de l'année, on est début juillet. Ça s'est rafraîchi un petit peu hein, parce qu'on a eu une toute petite période caniculaire suivie d'une période avec pas mal d'orages, pas mal de vent et d'arbres déracinés d'ailleurs. Et donc ça s'est rafraîchi un petit peu. Donc on a une météo beaucoup plus clémente. Donc ça c'était pour le contexte météo. Le contexte géographique. Maintenant, ici on est en basse montagne. Donc on a régulièrement du 1000 mètres, mais on part pas de l'altitude de zéro. On part généralement à l'altitude de 400, 500, 600 mètres. Donc on peut avoir un léger dénivelé pendant la balade. Mais un, rien d'insurmontable, et deux, les distances sont, là encore, si je dois comparer à la montagne, mais la comparaison s'arrête là, parce que je ne peux pas comparer un sac de loisirs pour aller en forêt, pour m'amuser avec le bois, pour sculpter des ustensiles, pour faire un siège hamac, pour cuisiner au feu de bois, et le contexte montagneux, où je vais forcément bouffer plus de dénivelé aussi bien en grimpant qu'en descendant. Et donc là, je devrais faire attention au poids du sac, ne serait-ce que pour préserver un petit peu mes articulations. Donc voilà, les éléments que je vais présenter, dont je vais vous parler, qui garnissent mon sac à dos, c'est des éléments qui font leur poids. Alors, j'ai pas trop à me préoccuper du poids du sac à dos. Il y a un moment, avec les années qui passent, où je vais devoir inévitablement alléger mon sac à dos, élément par élément, en commençant probablement par le sac lui-même. Mais pour l'instant, c'est pas une priorité. Voilà. Et puis je m'entretiens, je fais pas mal de sport, je fais beaucoup de vélo. Quand j'ai pas trop de temps devant moi, je fais du vélo d'appartement. J'ai une chaise romaine chez moi aussi pour entretenir un petit peu le haut du corps, les abdos, même si les abdos, c'est pas trop ma priorité en ce moment. Donc surtout les épaules parce que je vais travailler le bois et les jambes parce que j'aime marcher. Parce que j'aime marcher, sortir des sentiers battus. Donc pour le contexte, pour finir avec le contexte géographique, on a des petits dénivelés qui dépassent rarement 500 mètres et puis des distances de marche qui sont assez variables. Je peux marcher 2 km, je peux marcher 10 km, 22, 25. Ce qui explique aussi que le poids du sac à dos, même s'il n'est pas extravagant, descend rarement en dessous des 10 kg. Pour finir avec le poids du sac, parce que c'est pas franchement important pour moi, à la condition que je prenne vraiment les éléments dont j'ai besoin et puis éventuellement un petit peu de superflu pour le confort, puis pour m'amuser aussi. Je prends le cas par exemple de mon couteau croche ou de ma hache. C'est pas des éléments qui sont indispensables dans mon sac, puisque je peux très bien confectionner une cuillère en bois sans couteau croche, avec l'arrondi de mon couteau. Cette partie-là. La hache, c'est pareil. C'est pas un élément indispensable, puisque j'ai pas de grosse quantité de bois à débiter. Et puis si j'ai besoin de fendre quelque chose, ben, je vais fabriquer plusieurs coins à fendre, je vais me fabriquer un maillet et puis le tour est joué. En termes de nourriture maintenant,
Vous me verrez rarement emporter des boîtes de conserve ou des bocaux, même si ça m'arrive de prendre un bocal pour mon miel. Tout petit bocal, ça pèse pas excessivement lourd. Donc le poids des contenants de ma nourriture, il est rarement élevé. Ma viande, puisque je l'achète directement au magasin de producteurs, elle est emballée dans du papier qui finit généralement au feu. Mes légumes, ils sont dans des sacs en papier qui finissent eux aussi généralement au feu. Et il en va de même de mes fromages, mes petites tomes, un régal. Et si je prends une bière, là par contre, bah, c'est bouteille en verre la bière, donc je porte le poids à l'aller et au retour, puisque la bouteille vide, inévitablement, il faut que je la porte au recyclage. Alors dans cette vidéo, je vais évidemment parler du sac à dos, du matériel qui garnit ce sac à dos, mais aussi, puisque c'est la saison, de la prévention des insectes. Donc moustiques, tiques, éventuellement chenilles processionnaires aussi, même si pour l'instant, dans le département, on est relativement épargné. Je dis ça en contemplant ma magnifique calculatrice que j'ai sur chaque bras, parce qu'il y a quelques semaines j'avais bivouaqué sous un grand chêne et j'ai pas vu de chenilles processionnaires du chêne, mais il y avait pas mal de chenilles au sol séparées, indépendantes, solitaires. Dans ce sac à dos, on va retrouver des éléments, des répulsifs pour les tiques et pour les moustiques. C'est pas un seul répulsif qui fait les deux. Moi j'aime bien avoir des trucs qui soient à la fois spécialisés. Et à la fois, puisqu'ils sont spécialisés, on ne va pas mélanger plein de produits chimiques que je vais mettre sur la peau, sur les vêtements. Ça ne va pas laisser des taches grasses sur les vêtements, même si, vu comme je suis sapé, ça ne pose pas trop de problèmes, les taches grasses. Donc si je peux éviter des réactions allergiques à des produits chimiques, c'est mieux. Donc en général, les répulsifs que je vais choisir en pharmacie, ils seront basés sur des mélanges d'huiles essentielles. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, avec la présentation du sac à dos et de son contenu. Alors, le sac à dos que j'ai là, c'est un sac qui a un volume de 30 litres. C'est donc le Yekeri M, M pour médium. Voilà le bestio. Alors ça, c'est le volume de base, 30 litres, d'accord? Si je vais juste bivouaquer, apprendre un petit peu le bushcraft, utiliser mon couteau, ma scie, j'ai pas besoin de rajouter les pochettes latérales. Maintenant, ces pochettes latérales, ce qui est intéressant avec les sacs à dos un petit peu militaires comme ça, un petit peu complètement militaire, c'est qu'ils sont équipés de passants MOLLY. On appelle ça des passants MOLLY et ça permet de rajouter des équipements. Ces passants sont espacés de 4 cm et donc c'est un standard. C'est des pochettes qui font 8 litres, je crois, chacune, ce qui porte le volume total du sac à près de 50 litres. À ces 50 litres, on ajoute le fait que je porte du matériel à l'extérieur. Voilà, ça c'est ma bedroll. Bedroll, c'est un concept sur lequel je reviendrai par la suite. La tasse, la hache, la scie, c'est des éléments que je vais porter à l'extérieur du sac. L'élément principal que je veux garder à portée de main, ça va être mon poncho. Ce poncho, c'est un modèle de chez Savota. Savota, c'est la compagnie finlandaise qui fabrique le sac à dos. J'aurais peut-être dû me mettre un petit peu de répulsif à moustiques, tiens. Peut-être que j'y viendrai si je m'aperçois que les moustiques sont un petit peu trop affamés. Donc le poncho, c'est vraiment l'élément que je veux accessible rapidement sur le dessus du sac. Vous avez vu que j'ai utilisé des sangles assez basiques. Je ne sais plus où j'avais trouvé ça. Si je retrouve, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. C'est des sangles de débouclage rapide qui permettent d'accéder à mon poncho si je me prends un orage. Puisqu'avec le poncho, j'ai la possibilité de couvrir le bonhomme et l'équipement et même mon matériel photo. Donc c'est un sacré luxe. Ce poncho, c'est donc le Savota. Je ne crois pas qu'il ait de nom particulier, puisqu'il n'y a pas plusieurs modèles de poncho chez Savota. Je l'ai pris en taille XL, parce que je veux pouvoir me couvrir aussi l'hiver, quand j'ai mon gros sac. J'ai donc pris le poncho en taille XL. Et alors, ce qui est intéressant avec ce poncho, et je le sais pour le pousser un petit peu dans ses limites depuis que je l'ai, je crois que ça va faire 2 ans,
deux ans que je l'ai, quelque chose comme ça. C'est un poncho solide que je vous recommande. Maintenant, si vous avez déjà un poncho qui vous convient, n'allez pas faire des frais supplémentaires. Ça, à la base, c'est du pétrole, d'accord ? C'est du nylon. Donc, à la base, c'est du pétrole. Si on peut éviter de surconsommer bêtement, c'est pas plus mal. C'est un poncho dont le bas du dos est extensible d'une certaine façon, puisque le bas du dos est équipé de boutons pression. Donc, on peut replier à peu près 20 à 30 cm du bas du dos pour économiser en longueur. On imagine que j'ai établi le campement, j'ai posé mon sac à dos et je vais faire une balade. Le sac à dos est au sec. Moi, je mets le poncho sur moi. S'il est trop long, je vais marcher dessus. Il y a un moment où je vais marcher un petit peu sous les arbres, sous les branches basses. Je vais me mettre accroupi, je risque de marcher dessus. Donc le fait de pouvoir raccourcir l'arrière du poncho, ça va me donner beaucoup plus de liberté de mouvement. Ça, c'est pour le poncho. Alors pourquoi porter des éléments à l'extérieur du sac à dos? C'est vrai, après tout, c'est une idée un petit peu bizarre, puisqu'on va, on va avoir tendance à les accrocher aux premières branches qui passent. Si on se déplace dans une forêt d'arbrisseaux, d'arbustes, où on peut trouver du buis par exemple, ou pourquoi pas du rosier sauvage, de l'aubépine, bon, on va risquer d'accrocher ces équipements. Est-ce que c'est la meilleure solution ou pas? Je sais pas. Je pense pas qu'il y ait vraiment une meilleure solution. Puisque si je mets ces éléments à l'intérieur du sac à dos, bah, ça va me forcer inévitablement à prendre un sac à dos plus grand, et donc aussi plus lourd, et donc un petit peu moins polyvalent. Même si là, la polyvalence, c'est une idée un petit peu personnelle. Puisque je préfère avoir un gros sac à dos et le restreindre son volume avec des sangles de compression, plutôt que d'avoir un sac à dos trop petit et de devoir rajouter des pochettes parce que c'est indispensable. Parce que le matériel que j'emporte nécessite de rajouter des pochettes. Dans ce cas, la question, c'est un petit peu personnel. Ça va surtout dépendre du matériel qu'on va avoir à transporter et de la réserve, du petit surplus de confort et de divertissement qu'on va vouloir rajouter. Quand je parle de divertissement, ça va être des bouquins par exemple qui vont agrémenter un petit peu la soirée du bivouac, puisqu'avant de me coucher, je vais lire quelques pages d'un bouquin. Ça va m'aider à m'endormir, ça va calmer mon esprit, puis peut-être même que je vais faire des beaux rêves. Donc voilà, c'est des éléments qui ne sont pas indispensables dans le sac à dos, hormis peut-être un guide sur les plantes sauvages comestibles, un guide qui va nous permettre, ça bouge là-bas, je suis à peu près sûr que c'est un écureuil. Donc ça peut être intéressant d'apporter des livres, et ce poids supplémentaire va nécessiter, si on a déjà du matériel volumineux dans le sac, d'ajouter des pochettes en plus. Donc voilà, dans mon cas, j'aime bien avoir du matériel à l'extérieur du sac à dos. Dans ce cas, ce matériel devrait être protégé des accros, déjà pour commencer, à cause des épines, des ronces, des trucs comme ça. Mais aussi de la météo, s'il se met à pleuvoir un petit peu. S'il se met à pleuvoir beaucoup, je mets le poncho, je protège tout. Le problème est réglé. Mais s'il tombe seulement quelques gouttes, si je passe sous un arbre mouillé, je frôle une branche, ça fait tomber des gouttes d'eau, j'aurai pas le temps d'enfiler le poncho. Et donc dans ce cas, ma couverture en laine qui fait partie de mon couchage, elle va être imbibée d'eau. Pas non plus une éponge que je vais devoir essorer, mais elle va être un petit peu couverte d'eau. Et dans ce cas, si je mets la couverture en laine à l'extérieur du sac à dos, je ne vais pas passer une très bonne nuit avec une couverture mouillée. Combien même c'est de la laine et que ça conserve, dans une certaine mesure, ses capacités thermiques quand c'est humide, si je me retrouve à dormir dans une éponge, les capacités thermiques vont être très franchement limitées. Donc je vais protéger ce matériel dans ma couverture de survie lourde. Ici, c'est la Arcturus. Comme d'habitude, quand je fais des vidéos comme ça, je mets la liste complète, détaillée, avec des liens directs à cliquer dans la description sous cette vidéo. Ça vous permet d'accéder directement au matériel pour faire vos propres recherches. Encore une fois, cette vidéo, c'est pas un guide d'achat, d'accord? Je vous dis simplement ce qui marche pour moi. Salut, petite abeille sauvage, solitaire, t'es mignonne comme tout, toi. Ah là là, ça y est, elle m'a adopté. Magnifique. Vous voyez, tout ça pour dire que c'est du matériel qui me convient. C'est pas pour ça qu'il y a l'écureuil qui bouge. C'est du matériel qui me convient, c'est pas pour ça qu'il va vous convenir à vous. Donc faites vos recherches, renseignez-vous. Ensuite, l'abri. Puisque l'abri, c'est quand même un élément déterminant pour passer un bon bivouac. Cet abri, depuis quelques mois et pour encore longtemps, je pense, puisque c'est vraiment du matériel qui traverse les années, c'est mon tarp DD Amok au format 4x4. Alors 4 mètres par 4 mètres, c'est grand, c'est lourd, c'est long à déplier et à installer,
tout cas plus qu'un tarp en 3 mètres par 3 mètres. Et c'est long à replier aussi. Et puis il faut le secouer quand il a pris la pluie avant de le ranger, avant de l'enrouler comme ça. Donc il faut savoir que c'est une contrainte supplémentaire par rapport à un tarp plus petit. Donc le tarp en 4 mètres par 4 mètres permet beaucoup de montages différents. Je vous en ai montré déjà quelques-uns sur la chaîne ces derniers mois. Toujours est-il qu'avec un tarp TD Amok, on a plein de points de fixation. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo où je vous présente un montage qui permet à la fois de dormir en tente fermée et en hamac. On a vraiment beaucoup de points de fixation et ça permet d'optimiser, vraiment, de multiplier les possibilités de montage d'abri. Et ce, qu'on dorme en forêt ou en montagne. Pour la haute montagne, je ne sais pas si je vous recommande d'utiliser un tarp. Je vais peut-être plutôt vous recommander d'utiliser une tente, puisque les vents en montagne... Ouais. Vous voyez où je veux en venir. Ceux qui ont déjà campé en montagne, vous savez ce que je veux dire. On est en forêt, on est proche de la campagne. Donc inévitablement, vous allez entendre les bruits de la nature, mais aussi les bruits des gens qui travaillent dans la nature. Donc vous allez entendre éventuellement le mec avec son tracteur qui est en train de... Je ne sais pas trop ce que c'est comme machine qu'il utilise. Vous pouvez entendre de la tronçonneuse et vous pouvez entendre du chien qui aboie. Voilà, ça c'est le monde campagnard. Où en étais-je ? Ah oui, le bedroll. Alors, le bedroll dans mon cas, c'est un lit enroulé. Voilà. Dans ce module volumineux, j'ai mon sac de couchage, ma couverture en laine. Je vais expliquer pourquoi je préfère la couverture en laine en été et en saison chaude, par extension, plutôt que le sac de couchage. J'y reviendrai juste après. On a donc la couverture en laine, le matelas en mousse et la couverture de survie lourde. Et ces trois éléments que j'aime bien ne pas dissocier, voilà, avec des petites sangles qui se trouvent assez facilement dans les magasins de sport. Dans cet élément, dans ce gros tube qui pèse pas très lourd en soi, hein, on doit être à quelque chose comme 1,5 kg, peut-être 2 kg grand maximum, on va retrouver une couverture de survie lourde, la Arcturus, un matelas en mousse, donc ça peut être mon Thermarest Z-Light, mais qui s'est un petit peu ramolli avec le temps, donc j'ai tendance à plus sentir le relief du sol, ou ça peut être un matelas en mousse Forcla. Je peux pas comparer le Forcla et le Thermarest, puisque la valeur R du Thermarest est plus élevée que celle du Forcla. Et je trouve ça plus intéressant, toujours pareil, dans mon cas, qu'un matelas gonflable, puisque je vais pouvoir me servir du matelas en mousse pour plein de choses. Je vais pouvoir m'en servir pour me mettre à genoux devant le feu. Je mettrai jamais mon matelas gonflable devant le feu. Le matelas en mousse, je vais pouvoir m'asseoir dessus, en me mettant au coin du feu, donc pas trop près du feu non plus, mais m'asseoir de façon à ce que les pieds soient de chaque côté du feu. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire, pour pouvoir bouquiner, cuisiner, simplement regarder la télévision des bois, regarder mon feu. C'est quelque chose que j'aime bien faire, m'asseoir sur mon matelas. Le matelas, on peut choisir de le recouper un petit peu. C'est pas utile d'avoir le matelas qui vienne de la tête jusque sous les pieds. C'est franchement pas utile, puisque pour gagner un petit peu de poids et de volume, de matériel, on peut le recouper de façon à ce que le matelas arrive soit juste après les fesses, en dessous des fesses, soit après les genoux. Et de cette façon, puisque le matelas n'assure qu'un rôle de confort mécanique et qu'il n'assure pas une isolation thermique ni imperméable, ben dans ce cas, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un matelas qui fasse 2 mètres de long. Et à l'intérieur, on va retrouver une couverture en laine, donc 100% pure laine vierge. Une couverture que j'avais récupérée grâce à ma voisine qui fait beaucoup de brocantes il y a quelques années. J'avais récupéré 4 ou 5 couvertures en laine comme ça. Il y en a une que j'ai coupée en deux dans le sens de la longueur, puisque généralement je porte une veste ou mon pull en laine. Donc j'ai pas besoin d'avoir une couverture en laine qui aille des pieds à la tête. Voilà, ça c'est pour le bedroll. Donc pour le fermer, j'ai utilisé un système très très basique avec une cordelette et des cales en bois que j'ai sculpté à partir d'une branche. Ça me permet de maintenir le lit enroulé, bien enroulé et bien maintenu, bien serré. Donc ça se présente comme ça. On a un autre plein point d'un côté. Je fais passer une ganse dans la ganse formée par le nœud. Je serre bien. Je fais passer ma cale en bois. Je serre l'excédent de corde. Je fais un tour mort autour parce que sinon la corde elle ferait 3 km de long. Je mets ma cale, je suis un adepte des cales en bois. Je la mets à plat.
fais un tour autour, j'entoure l'excédent de corde autour de la cale. Une fois qu'il me reste à peu près 10 cm de cordelette, je serre, ça rajoute un petit peu de tension. Et puis je fais passer la cordelette tout simplement derrière là, pour pas que la cordelette s'accroche dans les branches où je vais passer. Voilà. Tout simplement. Donc ça fait un ensemble un petit peu volumineux, certes. Pas très lourd en contrepartie, mais un ensemble qui va m'offrir beaucoup de possibilités. Maintenant, je vais expliquer pourquoi la couverture en laine plutôt que le sac de couchage. Bien, j'ai donc dit que j'avais emporté une couverture en laine plutôt qu'un sac de couchage. Pourquoi ce choix? Ben, je vais vous l'expliquer maintenant. Le sac de couchage, une fois que je suis couché, il va m'isoler du froid, un petit peu du vent aussi. Et puis la fibre contenue dans le compartiment va me renvoyer, va réfléchir ma chaleur corporelle. Donc c'est super intéressant pour pas avoir froid la nuit. La contrepartie, c'est que le sac de couchage, bah bien souvent, aujourd'hui, ils sont faits en nylon. L'enveloppe du sac de couchage, c'est du nylon, donc ça craint le feu. Et moi, j'aime bien passer la soirée, j'allais dire squatter, j'aime bien passer la soirée du bivouac au coin du feu. Ça, la couverture en laine me le permet. Donc la couverture en laine me permet d'être au chaud la nuit. C'est pas spécialement coupe-vent, c'est pas spécialement fait pour. Même si c'est toujours une couche de textile supplémentaire par rapport aux vêtements, donc ça coupera toujours un petit peu plus le vent que sans. Ça protège un petit peu de l'humidité, c'est pas le rôle de la laine. Maintenant la laine c'est un matériau naturel, c'est organique, c'est très bien. Donc les éléments qui composent ce sac enroulé, ce lit enroulé, ce bedroll, vont avoir plusieurs possibilités, plusieurs usages. Et c'est un petit peu le cas de tous les éléments qui composent mon contenu. Moi j'aime bien les éléments polyvalents. J'aime bien les outils qui ont une fonction de base fiable, sûre et certaine, et qu'on peut détourner. Des fonctions détournées qui vont apporter du confort et des protections supplémentaires. C'est le cas aussi de la couverture de survie lourde, parce qu'on peut l'utiliser posé au sol comme un tapis de sol pour bloquer l'humidité du sol. On peut l'utiliser aussi pour réfléchir la chaleur du corps, puisqu'elle a un côté réflecteur de chaleur. Et enfin, grâce à ces œillets, on peut l'utiliser comme un abri en appentis. Si j'en mets deux, alors je peux faire un abri en A qui va m'offrir une protection. L'abri en appentis aussi va m'offrir une certaine protection. Que je dorme au sol ou en hamac, j'aime bien mettre soit mon poncho au niveau du sol, soit la couverture de survie au niveau du sol. Comme ça, si je me lève en pleine nuit pour pisser, je reste en chaussettes, je sors du sac de couchage, je me mets à genoux au bord de la couverture de survie ou du poncho, je fais ce que j'ai à faire, je pisse et ensuite j'ai plus qu'à me remettre dans mon hamac. Donc ça reste un concept assez intéressant. Et en dernier recours, si je trouve rien pour allumer mon feu, j'ai du bois sec. Mais je vais éviter quand même. On a vu ensemble des éléments de protection. Le poncho d'abord, que je veux rapidement accessible. Le tarp, qui me permet de me fabriquer des abris de toute forme et de toute taille possible. Et enfin mon module couchage, qui est composé d'une couverture en laine, d'un matelas en mousse et d'une couverture de survie lourde. Pas l'habitude de parler autant. Il va falloir que je boive un coup. On en vient au contenu des pochettes latérales. On va retrouver une gourde. Donc ma gourde Nalgene. Donc c'est le modèle Guillot Design. La Nalgene en inox. On va retrouver aussi une tasse. Alors la tasse c'est un petit peu particulier. C'est une tasse en titane. Il n'y a pas ici de volonté d'alléger le sac à dos en utilisant la matière titane plutôt qu'une matière comme l'acier inoxydable. Mais j'ai trouvé que la tasse était sympa puisqu'elle propose plusieurs fonctions que j'apprécie bien. Bah, évidemment, comme toutes les tasses, elle a des poignées rabattables. Elle a aussi une anse qui permet d'être suspendue au-dessus du feu. Un bec verseur. Elle est graduée à l'intérieur. C'est une tasse qui a un volume de 700 ml, je crois. À ras-bord, ça fait 750 ml. Je pense que 700 ml c'est déjà bien suffisant, et puis pour la remplir à ras-bord, faut vraiment avoir besoin. Donc c'est une tasse qui offre la possibilité d'être rangée avec la gourde et donc de gagner un précieux volume dans le sac à dos. Au fond de cette tasse, j'y loge un tampon abrasif pour pouvoir nettoyer un petit peu. Alors nettoyer la suie sur ma gourde ou ma tasse, c'est franchement pas une priorité pour moi, mais pour faire la vaisselle c'est toujours intéressant. Je commence par rincer le plus gros. À la main, j'enlève les débris de nourriture. Je mets un petit peu un mélange de cendre et d'eau pour désinfecter correctement l'intérieur.
Puis ensuite, si vraiment il y a des éléments qui restent accrochés, soit je prends un petit peu de lichen, je m'en sers comme d'une éponge, soit j'utilise ma propre éponge si l'endroit où je bivouaque est dépourvu de lichen. Pourquoi une gourde en acier inoxydable ? Pour la simple et bonne raison que ça passe au feu, ce qu'on ne peut pas faire une gourde en plastique. Enfin, c'est possible avec une gourde en plastique, mais c'est possible une seule fois. C'est une gourde qui a un volume d'un litre, elle est relativement solide, évidemment moins solide que l'équivalent chez Nalgene en plastique Triton, sans bisphénol A. Donc c'est une gourde dans laquelle je fais régulièrement bouillir de l'eau, et puis je lui ai ajouté un petit accessoire fort utile. Je vous ai déjà parlé, mais bon, je pense que c'est utile de le rappeler. C'est un dégorgeur. C'est un écarteur de bouche de poisson. Alors, l'écarteur de bouche de poisson, qu'est-ce que c'est que cet outil barbare? Je crois que c'est pour les gens qui pêchent le carnassier, le brochet, les trucs comme ça. C'est ni plus ni moins qu'un ressort. Et nous, on va s'en servir pour suspendre la gourde au-dessus du feu, de cette façon. C'est fiable, c'est vraiment fiable. Il n'y a aucun souci que ça échappe accidentellement. C'est un crochet que j'avais payé 6 euros, je crois, ou 5 euros sur eBay. Ça doit pouvoir se fabriquer soi-même avec un cintre. Je pense qu'on doit pouvoir le faire. Mais il faut absolument maintenir la tension du ressort, sans quoi le truc risque de, si on tu le fais un peu trop vite, ça risque de se resserrer au moment où tu le mets au-dessus du feu. Ce serait dommage d'éteindre ton feu et par la même occasion de gaspiller le seul litre d'eau que tu as avec toi. Ah, les moustiques sont de sortie, je vais peut-être me mettre un petit coup de répulsif. Ah, moi, celui que j'ai choisi, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec les répulsifs, celui que j'ai choisi, c'est le pur essentiel à base d'huile essentielle, du coup. D'origine végétale, il a une efficacité de 7 heures. Voilà, c'est un répulsif qui sert aussi d'apaisant. Pour les moustiques tigres, les tiques et les autres insectes piqueurs. Voilà, bonne chose de faite. Donc moi, j'ai choisi un format qui se transporte facilement dans la poche du pantalon. Mais généralement, le répulsif, la petite bouteille, trouvera place dans le sac à dos. J'ai une autre bouteille ici que j'utilise depuis quelques semaines avec vraiment beaucoup de satisfaction, mais qui, elle, est destinée uniquement au textile. C'est un répulsif qui est vraiment adapté aux tiques, exclusivement aux tiques et aux vêtements. D'accord ? Donc lui, j'en mets un petit peu comme ça sur les guêtres, le bas du pantalon, les chaussures, et je remonte jusqu'ici. Si je dois traverser des buissons, j'en mettrai un petit peu sur la casquette aussi, sur le sac à dos et le haut du bonhomme, mais je vais plutôt me limiter à l'utiliser sur le bas du corps. Mon kit feu. Alors le kit feu, je le mets dans une petite pochette en mèche, c'est Savota qui fait ça. Et cette pochette, généralement, je la transporte dans la poche du pantalon. Un kit composé d'une boîte d'allumettes. À l'intérieur, dans le couvercle, j'ai collé le grattoir de la boîte d'allumettes. Et puis j'ai mis une trentaine d'allumettes. Ça me garantit suffisamment de démarrage de feu pour un week-end de bivouac. Pour 3-4 jours de bivouac, sans aucun problème. Et puis un petit sachet de gel silica, au cas où j'ouvre la boîte, qu'il y a un petit peu d'humidité qui rentre à l'intérieur. Mettons, imaginons qu'il pleuve. Et puis l'élastique en chambre à air permet de protéger encore, de faire une sorte de joint d'étanchéité. Le deuxième élastique, quant à lui, va empêcher la boîte de s'ouvrir accidentellement. Dans ce kit feu, on va retrouver un petit opinel numéro 6. J'aime bien l'opinel numéro 6 parce que c'est un couteau qui est capable de faire beaucoup de choses. Et en plus, c'est un des meilleurs, des plus efficaces grattoirs de Fire Steel qu'on puisse trouver aujourd'hui. On va retrouver des bâtons de bois gras de pin bien saturés de résine, de la cordelette cisale, et de l'écorce de bouleau. Les moustiques sont sortis. Puis ils sentent le répulsif, ils sentent la citronnelle, alors ils vont côté visage où j'ai pas mis de répulsif. Voilà, de l'écorce de bouleau. Donc mon kit feu qui va généralement trouver place dans la poche cargo de mon pantalon. En ce moment, dans la poche cargo, on va surtout retrouver des gants. Alors, des gants de manutention assez fins. C'est pas des gants en cuir que je vais utiliser pour prendre des trucs dans le feu. Je peux aussi prendre des gants en cuir. Les gants de manutention, c'est bien quand je dois couper du bois et charrier des gros volumes de bois ou même simplement un tronc d'arbre, un tronc de sapin, un jeune sapin que j'ai coupé et que je vais utiliser pour me faire une chaise trépied, par exemple, en utilisant mon poncho ou mon hamac.
C'est des gants fins qui m'ont été offerts par mon pote Thomas. Salut Thomas, si tu regardes cette vidéo, tu vois, je les ai avec moi. C'est des gants qui me permettent de répondre à plusieurs utilisations légères, les utilisations fines. Dans l'autre poche, on va retrouver une pochette imperméable avec ma carte d'identité, ma carte vitale, un petit peu d'argent liquide, si je suis proche d'un hameau et que j'ai besoin de faire des achats. Et puis, ma carte de crédit aussi, on ne sait jamais, des fois que le commerce accepte les cartes de crédit. Les papiers d'identité, c'est hyper important d'avoir ça sur soi, parce que s'il m'arrive quelque chose et que je suis... et que je suis inconscient, quelqu'un me voit, quelqu'un voit ma dépouille, alors comme ça au moins on peut appeler une personne digne de confiance quand je suis à l'hôpital. Ensuite, on va retrouver ma lampe frontale. Alors la lampe frontale, je la porte dans la poche parce que je veux pouvoir l'utiliser aussi au niveau du sol. Voilà, si je perds quelque chose, si je vois un petit terrier, que je suis un petit peu curieux. Alors je ne veux pas mettre la lampe très forte comme ça à l'entrée du terrier, j'aurais vraiment peur de déranger les habitants. Donc c'est la Armitek Wizard C2 Pro que j'utilise en frontal quand je dois bivouaquer. Et pour l'utiliser en frontal, j'ai le bandeau ici, dans la pochette. Comme ceci. Voilà, donc c'est une lampe que j'apprécie, que je trouve bien. Son seul problème, c'est qu'elle a ici l'embout pour la recharger. Donc on est passé, là encore, chez Armitek, sur un embout de recharge, ce qui implique un câble de recharge propriétaire. Et pour pallier au problème, j'ai pris en supplément un chargeur de batterie qui est à peine plus gros que la batterie qui va à l'intérieur de la lampe. Et puis comme ça, j'ai une autre batterie, une batterie supplémentaire dans le sac à dos. Voilà le type de batterie qu'on met à l'intérieur. Donc, une petite lampe frontale que j'apprécie bien, qui est solide. La réputation d'Armitek n'est plus à faire, ils ont fait leur preuve. C'est une lampe qui n'est pas excessivement lourde, elle a plusieurs modes de fonctionnement, dont un mode que j'apprécie beaucoup qui s'appelle le mode clair de lune et qui me permet d'éclairer uniquement à quelques centimètres, pouvoir lire une carte la nuit sans me flinguer la rétine, les rétines et la vision nocturne. C'est toujours intéressant, même si le top ce serait d'avoir une lampe, une LED rouge en plus de la blanche, ben j'apprécie d'avoir une lampe qui puisse éclairer aussi faible que fort, selon mes besoins. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver. Mon EDC des bois, c'est mon Victorinox Huntsman, un couteau que j'apprécie beaucoup, vraiment un très bon couteau suisse. Il lui manque plus que l'ouverture de la lame à une main, mais ça, c'est pas trop le rôle de ce type de couteau. Mais je pense que ce serait un plus d'avoir ce type de fonction. Pour l'épauler, toujours mon fidèle Mora Garberg Carbone, un super couteau, vraiment très bon, que j'apprécie beaucoup. J'ai prévu de faire une vidéo, puisque ça fait des années que je m'en sers, une vidéo dans laquelle je vous donne mon ressenti, je le présente un petit peu succinctement, parce que c'est un couteau qui a vraiment fait parler de lui énormément au moment de sa sortie, il y a quelques années. Donc je ne vais pas le présenter comme « Ah, j'ai un scoop, j'ai un nouveau couteau qui vient de sortir », c'est pas le cas, c'est un couteau que j'apprécie beaucoup. Pour l'attacher à la ceinture, on va retrouver un passant en cuir de chez Castrum avec un mousqueton et un passant en cuir que j'ai fait réaliser par une connaissance avec qui j'étais à l'école, au collège ou au lycée, je sais plus, au collège. Donc qui commence à travailler le cuir, qui est assez douée, elle travaille avec du cuir de récup. Je vous mettrai un lien vers son site dans la description de la vidéo. Et donc voilà, elle m'a fait un passant de ceinture très sympa, assez original, en cuir, qui me permet de fixer et de dégrafer rapidement mon couteau quand je le porte à la ceinture. Le Garberg, si tu veux pas avoir le passant comme ça, qui sert à fermer l'étui, puisqu'il n'est pas amovible, le passant, ben moi je fais un tour comme ça avec et je le refixe de l'autre côté. Ça me permet d'avoir la rétention de l'étui, la rétention de base, qui est largement suffisante, et j'ai pas la lanière comme ça en travers du chemin au moment où j'ai besoin de refermer le couteau. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ça c'est la petite astuce du moment. Donc ça c'est pour le couteau. Et puisqu'on est dans les outils, on va rester dans les outils avec trois outils qui vont m'accompagner pendant certaines sorties où je prévois de bricoler un petit peu, bricoler, couper du bois pour le feu,
fabriquer des éléments comme une chaise hamac, par exemple, une chaise trépied. Je dis chaise hamac, mais ce n'est pas le bon terme, puisque sur ce type de chaise, je peux aussi bien utiliser un poncho, ou même un tarp, pourquoi pas, ou une simple couverture en laine. Je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques années. Donc on va parler de chaise trépied, mais pas de chaise. Je vais essayer d'éviter le mot chaise hamac, ok? On va essayer de faire comme ça. Premier outil, ma scie, une bonne scie à bûche, qui est super compacte quand elle n'est pas en utilisation. C'est la Agawa Boreal 15. Qui a une bonne lame. Alors, ce qui est intéressant avec cette scie, c'est que la lame est amovible et c'est surtout une lame qu'on peut trouver facilement dans les commerces. Et si on n'arrive pas à la trouver, alors faut savoir qu'on peut acheter une lame de scie à bûche toute simple chez Baco, on trouve ça, et la recouper à la bonne mesure. Un petit coup de disqueuse, un coup de perceuse et on peut monter n'importe quelle lame de scie à bûche en 53 cm sur cette scie. Alors, l'avantage d'abord, gros avantage de cette scie, d'une scie à bûche, c'est d'être virtuellement indestructible. C'est-à-dire que si je m'en sers même comme une brute, je ne vais pas pouvoir tordre la lame, comme c'est le cas avec les scies pliantes. Et donc, je ne peux pas casser la lame. Le cadre aussi, c'est pareil. À moins de me servir du cadre pour planter des piquets au sol, ou à moins de m'en servir de boomerang, je ne vais pas casser le cadre de la scie. Donc, lame facile à remplacer, très solide et avec une efficacité redoutable, puisque avec ces dents là on peut scier n'importe quelle section de bois quasiment sans effort. C'est une scie qui fait son poids compte tenu de sa taille, mais son poids c'est aussi son atout, puisque pour scier une section on n'a qu'à laisser faire le poids de la scie, on va pas forcer sur la scie, donc on va beaucoup moins se fatiguer qu'en utilisant une scie très légère. Alors, je vous vois venir, puisque vous savez que j'utilise aussi des scies pliantes de chez Silky, et la question qu'on pose régulièrement quand on me voit utiliser les Agawa, c'est laquelle je préfère entre Silky et Agawa. Pour moi, il n'y a pas de réponse type, puisque Silky, c'est des scies qui sont tout aussi efficaces, mais il faudra faire attention, alors elles sont plus rapides à mettre en œuvre. Les lames aussi sont faciles à remplacer, en contrepartie, on ne les trouve pas n'importe où, ces lames, et elles sont un petit peu plus chères à l'achat, que Agawa. Maintenant, c'est pas la même utilisation. Si je trouve un épicéa en montagne, les branches vont être assez rapprochées les unes des autres. Et donc, le cadre de la scie va m'empêcher de scier certaines branches. Donc ça, c'est pas très grave. Je vais y aller tout doucement, comme ça. Je vais y aller par-dessous, je vais faire le tour. Mais avec une scie à bûche, je vais avoir un petit peu moins de possibilités qu'avec une scie où j'ai simplement la lame pliable dans le manche, j'ai plus qu'à déplier et j'ai juste une lame comme ça où je peux accéder directement à la branche. Donc ça, c'est la contrepartie, le gros inconvénient d'une scie à cadre. Le cadre va pas me permettre de passer partout. Maintenant, le cadre, c'est aussi ce qui permet de maintenir la tension de la lame et ce qui apporte beaucoup de solidité à la lame par rapport à une scie pliante qui, elle, va pas avoir beaucoup de solidité. La scie pliante, je prends le cas des Silky, c'est des scies qui fonctionnent en tirant seulement et qui ne scie pas le bois en poussant. Donc moi, je sais que j'ai tordu et cassé plusieurs lames de Silky en y allant un peu comme une brute, en poussant, en forçant un moment de pousser pendant le sillage. Et c'est pas fait pour. Et d'ailleurs, quand on achète une scie Silky, sur la notice, c'est écrit de ne pas pousser, de ne pas forcer en poussant. Donc j'apprécie aussi bien les Silky que les Agawa, mais je dois dire que j'ai une petite préférence pour Agawa. Si je dois bricoler et couper beaucoup de bois, que je sais que je vais, par exemple, sur mon camp où je suis en train de monter une cabane, que je vais avoir beaucoup de traverses de bois à scier et que je ne veux pas trop me fatiguer parce que j'ai aussi d'autres tâches manuelles à faire, alors je vais prendre ma grande Agawa, celle qui a une lame de 63, je crois, centimètres, c'est la Boreal 24. Et l'avantage certain des scies Agawa, c'est leur prix. Elles sont très très accessibles. Pour finir avec la comparaison avec Silky, si je dois comparer la Agawa 15 avec une Silky, je crois que l'équivalent, ça doit être Pocket Boy, Gum Boy, je ne sais plus. Les Silky seront un poil plus cher, parce que c'est aussi des scies spécialisées. Ouais, les Silky, c'est fait pour les ébénistes, les élagueurs. C'est des scies pliables. Leur vocation, c'est pas de scier des gros volumes de bûches, comme une scie à bûche. Puisqu'on est dans les scies, et justement, puisqu'on parle des scies Silky, j'ai ici ma petite Pocket Boy 130-20 de chez Silky,
Une scie que j'utilise volontiers pour mes sculptures de cuillères, de tasses, pour faire des assemblages par mi-bois, des assemblages en bois. C'est une scie qui a une lame très très souple, qu'on va tordre et casser facilement. Donc c'est pas une scie qui sert à scier de gros volumes de bois, mais c'est quand même une scie qui va me permettre de scier efficacement des sections de bois. Ou pour prendre une mesure, par exemple, j'utilise ma corde pour prendre une mesure, je fais un trait de coupe, hop, je replie la scie dans la poche, je me déplace, je plie la scie, un trait de coupe pour marquer la mesure, et ensuite, je viens prendre ma scie à bûche pour finir de scier. Donc voilà, moi j'aime bien avoir ma petite scie qui est pliable, que je peux mettre dans la poche sans aucun problème. Il faudra quand même faire attention à la poche, puisque cette partie-là de la lame, elle est un petit peu abrupte. D'ailleurs, comme l'opinel numéro 6 de mon kit feu, on peut utiliser la lame d'une scie silky pour gratter le fire steel. Ce sera très efficace. Maintenant, je vais parler de mon dernier outil, qui est un outil vraiment plus spécialisé. J'ai plusieurs haches, généralement de chez Ultaforce. C'est la Ultan, le modèle Ultan de chez Ultaforce. C'est un modèle relativement compact, relativement léger, même si on n'achète pas une hache pour son poids. Ou alors on cherche un poids suffisamment élevé pour lui garantir une certaine inertie. Voilà, la hache. Quand je dis que c'est un outil spécialisé, c'est que je recommande absolument pas d'acheter une hache en premier outil coupant, juste après le couteau. Donc ce modèle-là, c'est la Ultaforce Ultan, que j'apporte avec moi quand il fait chaud, quand je vais avoir des troncs à élaguer, à ébrancher, et quand je vais avoir quelques petits travaux, des pointages. Donc pour épointer... quand je dois planter un piquet au coin du feu, j'aime bien les pointer à la hache parce que c'est beaucoup plus rapide qu'avec le couteau. En France, je crois que c'est rare les cas où on a vraiment besoin d'avoir une hache. En hiver, quand j'ai fait mon trek pour le jour de l'an, j'étais content d'avoir ma petite hache. D'ailleurs, j'avais celle-là. Et pour bricoler un petit peu, il y a un moment où j'ai eu besoin de fendre une bûche en deux pour me faire un banc. Et ben, pour fendre la grosse bûche, j'aurais bien eu besoin de me faire quelques coins à fendre avec un gros maillet, avec une bonne inertie. Pour gagner du temps, j'ai voulu utiliser ma hache. Sauf que la bûche que j'avais à ma disposition, c'était du sapin sec, un petit peu trop dense pour le couper, pour le fendre, pour l'éclater comme ça avec ma hache. Et donc, il m'aurait fallu une hache un peu plus grosse. C'est aussi la raison pour laquelle je suis passé sur la Ultaforce au bout. Ça s'écrit A-B-Y. Je crois que chez eux, ils prononcent au bout. Qui est une hache un petit peu plus grande que la Ultan, avec un manche plus long et un fer un poil plus lourd que celui de la Ultan, ce qui garantit plus d'efficacité, plus d'inertie pendant le travail. Donc ça, c'est pour les outils. On va retrouver encore quelques outils très très spécialisés, comme mon couteau croche ici, bah, c'est toujours mon Mora. Voilà, couteau croche. Je lui ai fait un étui de transport et de protection en bambou, un gros morceau de bambou que j'ai décoré d'ailleurs avec mon pyrograveur. J'ai rajouté un morceau de papier de verre pour faire les finitions quand je sculpte une cuillère. C'est un étui fait maison, gratuit, recyclable, enfin biodégradable. Je peux m'en servir pour démarrer un feu puisqu'il a séché déjà depuis quelques années. Voilà, donc c'est toujours intéressant de fabriquer des éléments pour ces outils. Ensuite, mon filtre. Alors, c'est un filtre français qui n'est pas fabriqué en France, mais qui a été lancé par un entrepreneur français. C'est le filtre Earth Fox. C'est un filtre au charbon, donc il fonctionne. Je dirais qu'il a les mêmes propriétés de filtration, de filtrage, que le Sawyer Mini, à ceci près qu'il a été lancé par un entrepreneur français. Donc aujourd'hui, si je dois choisir acheter un filtre et que je dois racheter un des filtres que je connais, que j'ai utilisé, entre le Aquamira Frontier Pro, le Sawyer Mini, le Bifree, Katadyn Bifree, et le Earth Fox, je pense que le seul problème du Earth Fox, c'est que sa pochette souple, son seul problème à ce filtre, c'est que sa pochette a un volume d'un demi-litre. Ah oui, j'avais mis les filtres avec, on a des pré-filtres qui sont fournis avec. Une pochette d'un demi-litre, et c'est léger, un demi-litre comme volume. C'est vraiment trop léger. Alors, le pas de vis permet d'adapter des bouteilles d'eau minérale, je crois que c'est la Badois, et puis d'autres eaux gazeuses, ce qui permet aussi de contribuer à recycler des bouteilles d'eau minérale, c'est bien, mais moi j'aimerais bien avoir une pochette de au moins 1 litre, et puis pourquoi pas une pochette de 2 litres, pour vraiment faire de gros stocks d'eau.
Donc c'est un bon filtre, je m'en sers depuis l'année dernière, j'en suis vraiment très content. J'ai filtré plusieurs types d'eau différentes. Je n'ai pas testé les eaux bien industrielles, bien polluées, je n'ai pas besoin. Voilà, puisque moi l'eau que je trouve, elle est en forêt, elle est en montagne et elle n'est pas hyper souillée non plus. Maintenant, si la seule eau dont je dispose, c'est une flaque d'eau boueuse, ben, je ferai le test et puis comme ça, je vous en parlerai. Voilà, donc c'est un filtre que j'apprécie, qui n'est pas hors de prix. Et surtout, il est lancé par un entrepreneur français. Donc, je pense que c'est bien de soutenir des initiatives comme ça, locales, nationales. Ensuite, il y avait l'étui de mon couteau croche fait maison en bambou. Puisqu'on est dans le bambou, on va rester avec mon bouffadou. Donc, j'ai simplement pris une section de bambou que j'ai percée à chaque extrémité en gardant les nœuds, là, les jointures. Alors, le bouffadou, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui permet d'attiser les braises en soufflant dans le gros trou. Le petit trou va réduire le débit, enfin il va comprimer l'air que je souffle de façon à attiser les braises sans trop m'approcher du feu. Parce que si j'attise les braises, le feu part, le bois risque de craquer et de m'envoyer dans la tête des escarbilles. Dans cette pochette, on va retrouver un élément aussi que j'aime bien, qui est une pochette souple en tissu mèche. Là encore, c'est Savota qui fait ça. J'aime bien ce type de pochette parce que ça me permet de récolter des plantes sauvages comestibles, comme de l'ortie, de l'ail des ours, du plantain, des trucs comme ça, soit des feuilles de plantes pour les manger. Et donc, puisque c'est un tissu qui est aéré, alors je sais que ma récolte ne va pas macérer, comme si je la transportais dans un sac en nylon, par exemple. Donc ici, on a des sangles dans les coins, sangles qui me permettent de fixer la pochette à un passant de ceinture, le passant du pantalon. Donc quand je récolte rien ou que je transporte ma récolte, le passant est fixé de cette manière. Comme ça, c'est pas trop volumineux. Ça pendouille sur le côté du pantalon. Quand je veux récolter quelque chose, je l'ouvre. Je mets ma récolte. Je ferme le zip. Et si c'est pas trop volumineux, s'il n'y a pas de risque de casser ma récolte, je la raccroche au mousqueton. Donc c'est une pochette que j'aime bien. Et je trouve le principe sympa, le fait de pouvoir l'accrocher n'importe où, aussi bien sur le côté du sac, sur un passant molly. Alors, dans le sac à dos idéal, pour moi, on devrait toujours avoir de la corde. La corde qui me permet de monter mon abri, mon tarp. Sur ce fagot de corde, j'ai deux nœuds qui sont installés, les nœuds prussiques. C'est deux nœuds qui permettent de fixer rapidement et facilement et de retirer tout aussi facilement et rapidement mon tarp. Quand je le mets en place ou quand je veux le ranger. Un fagot qui a été lové de façon à pouvoir le ranger et sortir la corde très rapidement, sans s'embêter et sans faire des nœuds tous les 10 cm. C'est toujours intéressant de lover sa corde quand on la range. Mon réchaud, le réchaud à bois léger, fabriqué en France, de chez Ferzil. Donc ça, c'est le modèle Ferzil, je crois que c'est le 13. Donc un réchaud à bois pliable, léger, fabriqué en France, qui est abordable, qui a un tarif vraiment abordable. Facile à mettre en service. Voilà, tu mets ton bois à l'intérieur, ton combustible, tu démarres ton feu, tu poses ta popote dessus. Si tu as juste une tasse, la grille est fournie, tu mets ta grille. Tu poses ta tasse sur la grille et ton café est prêt rapidement. S'il y a du vent, le mec fournit un pare-vent aussi fabriqué par lui-même. Il fournit ça avec son réchaud et ça permet d'avoir un ensemble relativement léger et très fonctionnel. On a une solution qui permet de cuisiner pour quelques centaines de grammes à peine et en plus c'est fabriqué en France et c'est proposé à un tarif intéressant. Le mec a même pensé à percer les parois du pare-vent pour pouvoir l'ancrer au sol avec des piquets, des sardines. Dernier détail intéressant, Sylvain offre la pochette de transport avec le réchaud. Donc c'est intéressant. Donc ce réchaud à bois, je l'aime bien. Est-ce que je vous recommande d'investir dans un réchaud à bois comme celui-là plutôt que d'acheter un réchaud chinois sur Amazon, sur eBay ou un réchaud allemand de chez Bushcraft Essentials par exemple? Évidemment, puisque c'est un truc fabriqué en France, puisque j'en suis content qu'il est efficace, moi c'est un achat que je regrette absolument pas. Maintenant, je ne vais pas m'amuser à remplacer
tout mon matériel par des trucs fabriqués en France. Dans la mesure où mon matériel me donne satisfaction, j'ai pas de raison de le remplacer. Ensuite, la trousse de soins. Alors la trousse de soins, je pense que ça mérite une vidéo à part entière. Parce que sinon, cette vidéo risque de durer 3 heures si je détaille ce qu'il y a dans ma trousse de soins. Donc j'y reviendrai en détail dans une vidéo. D'accord ? On fait comme ça. Des mouchoirs dans un sachet Ziploc. Alors ce sachet Ziploc, je l'ai depuis des années. Je l'ai consolidé avec du duct tape ou du scotch d'électricien, je sais plus. Et ça me permet de pas trop le fragiliser à l'usage. Donc c'est une pochette de mouchoirs en papier classique que je vais mettre généralement dans la poche au moment d'aller faire mes besoins, au moment d'aller déféquer. Et puis bah, c'est mon papier toilette. Ça peut éventuellement servir d'allume-feu s'il y a besoin. Voilà, un sac poubelle, parce que forcément, ben, on est des gens civilisés, on ne laisse pas nos déchets dans la nature. Et puis une petite poignée qui va me permettre de cuisiner. Je vais l'utiliser conjointement, soit si je ne veux pas ruiner mes gants avec ma tasse. Voilà. Soit avec ma gourde. Ça tient relativement bien, c'est pas fait exprès, donc faudra quand même faire attention, mais ça tient relativement bien. On va boire un coup, tiens. Merci. Voilà. On a fait le tour de la poche, il y a juste un dernier élément dans la poche, c'est ma vrille qui me permet de bricoler en faisant des petits trous. Donc c'est une vrille tout à fait classique. Je le fais un étui en bois dans un bâton, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ça c'est pour le contenu de cette poche. Donc on peut voir que le contenu de mon sac n'est pas forcément divisé en modules à thème. Même si ici je vais regrouper tout ce qui est bouffe, pour des raisons de rangement, de gestion du volume, je peux mélanger des trucs aussi à l'intérieur. Ma poêle à frire, elle est à l'intérieur du sac, donc compartiment principal. Une gourde Nalgene, en tritant cette fois-ci. Une gourde d'un demi-litre dans laquelle je transporte ma farine. Alors la farine, c'est vraiment génial parce qu'on peut faire toutes sortes de choses avec. On peut faire des galettes, on peut faire du pain, on peut faire de la ficelle qu'on entoure autour d'un bâton pour faciliter la cuisson au-dessus d'un feu de bois. On peut faire beaucoup de préparations culinaires avec. La farine, vraiment un truc que j'aime avoir dans le sac, qui prend évidemment plus de place qu'un aliment tout prêt, mais encore que ça se discute. Ouais. Ensuite, on reste dans le thème de la bouffe avec ma chartreuse verte, donc la liqueur de chartreuse, que je consomme pas fréquemment. Je suis pas un gros buveur d'alcool en règle générale. Donc ça, c'est des éprouvettes en acier inoxydable, en acier alimentaire. Pour différencier celle qui contient ma chartreuse verte et celle qui contient mon huile d'olive, bah, j'ai simplement mis un petit élastique en chambre à air sur celle qui contient ma chartreuse verte. L'huile d'olive, bah, pour cuisiner avec une poêle à frire qui n'a pas de revêtement anti-adhésif, par exemple, ou pour rajouter dans ma pâte à pain avec la farine. Je mets quelques noix concassées, quelques lardons dans la pâte à pain et puis je me fais une galette très bonne. Une cuillère en bois, une cuillère que j'ai sculptée. Voilà, elle est en bois de châtaignier, celle-là. Peut-être qu'il va ressortir à un moment donné. C'est du miel qui m'a été offert par ma voisine, Cathy, et son mari. Ils ont des ruches dans leur jardin et leurs abeilles butinent aussi bien les fleurs de leur jardin que leurs arbres fruitiers, que le tilleul, l'acacia, le sapin des voisins, et donc ça donne un miel assez particulier que j'apprécie beaucoup. Et donc le miel j'utilise soit quand je me fais du pain, des galettes, des banniques comme on dit, soit pour sucrer mes boissons chaudes tout simplement. Ma pierre à aiguiser, donc une pierre des Pyrénées, qui vient des Pyrénées, vraiment, c'est pas juste un nom comme la moutarde de Dijon, c'est vraiment une pierre des Pyrénées. Une pierre qui a un grain vraiment grossier d'un côté et vraiment fin de l'autre, qui me permet de maintenir l'aiguisage de mes outils coupants. Donc une pierre que j'apprécie beaucoup. Et puis pour terminer, ma boîte d'œufs. Donc une boîte d'œufs trafiquée, j'avais acheté ça sur Amazon. Normalement, on a une poignée ronde ici qui permet de la transporter.
Moi, je l'ai fait sauter bah, pour des raisons pratiques, tout simplement pour pouvoir loger 6 œufs au fond de cette pochette. Et les œufs, bah, c'est vraiment génial. Tout simplement, quand on veut y faire une préparation culinaire avec, ou qu'on veut y manger des œufs plats ou des œufs durs, ouais, les œufs, j'en ai toujours dans le sac. Enfin, presque toujours. Et puis les œufs, c'est une source de protéines facile à transporter. Quand on n'est pas sûr de pouvoir transporter de la viande dans son sac, à cause de la chaleur, à cause de la durée du trek, les œufs, c'est bien, puisque moi, je sais pas vous, mais chez moi, je les conserve à température ambiante, les œufs. Donc si on peut les protéger contre les chocs mécaniques, c'est probablement une source de protéines que j'emporterai pendant mes longues balades. Donc voilà, une petite boîte d'œufs en plastique qui offre une certaine protection mécanique, mais c'est loin d'être l'idéal pour mes œufs. Si je fais tomber la boîte d'œufs d'une certaine hauteur, je pense que sur les 6, il y en a 2 qui vont souffrir. Ça a été le cas il y a quelques semaines. Donc je peux la tester. Pas tous les œufs, ceci dit, mais certains vont pas apprécier la chute. Maintenant, c'est à moi de faire attention aussi à mon matériel et à ma bouffe. Donc on a vu ensemble le contenu des deux poches. Ces poches, je vais les retirer parce que je peux les ranger à l'intérieur du sac. J'ai assez de volume dans le sac sur certains types de bivouac où je peux mettre les pochettes à l'intérieur du sac. Surtout si je dois me déplacer dans un contexte un petit peu rocailleux où je vais avoir des rochers très rapprochés. Je vais avoir besoin de mes deux mains pour me déplacer, donc je vais mettre les pochettes à l'intérieur du sac pour avoir un petit peu plus de... pour avoir un sac plus étroit. Le lit enroulé, ben je vais l'attacher à l'avant du sac et ça me permettra d'avoir un sac relativement étroit tout en gardant le format cheminée. Ce que j'aime avec ce sac, c'est qu'on a la possibilité de retirer le capuchon. Donc ici, on a deux sangles qui permettent d'ajuster la hauteur du capuchon ou de le retirer si on veut s'en passer. Donc ça permet de transporter quelque chose de volumineux ici, mon lit enroulé par exemple, ou une couverture en laine, ou une peau de bête, une peau de mouton avec les gros poils, là, j'adore ce genre de peau. À l'intérieur du capuchon, on a une poche. Alors moi, ce que je regrette, c'est que chez Savota, ils n'aient pas pensé à mettre une ouverture zippée à l'extérieur du capuchon. On a une poche zippée à l'intérieur. Pas super pratique à l'usage. La poche du capuchon, c'est quelque chose où moi j'aimerais bien pouvoir mettre une trousse de soins par exemple en accès rapide, mais là c'est pas le cas du coup. Donc ma trousse de soins, je la mets dans une pochette latérale, mais c'est pas l'idéal. Moi j'aimerais bien pouvoir la mettre dans le capuchon. Donc je vais probablement expédier mon sac à dos ou juste le capuchon, je sais pas encore, à un gars avec qui j'ai fait connaissance sur Instagram il y a quelques que moi, c'était l'année dernière. Il s'appelle Romain, il a une page Instagram qui s'appelle Explore Design Gear. C'est un mec qui confectionne des pochettes chez lui et comme il a du matériel de couture, ben je vais probablement lui demander de me customiser un petit peu mon sac, mon Yekeri. J'apprécie beaucoup ce sac. Il va pas me quitter avant très longtemps, donc je vais probablement le faire customiser un petit peu. La tasse Coupilka qui a un volume de 37 centilitres. C'est une tasse dans laquelle je vais prendre plaisir à boire des boissons chaudes. Elle n'a pas de vraie fonction. Elle n'est pas multifonction, à mon sens. Je peux évidemment creuser le sol avec si je veux faire des latrines ou si je veux faire une tranchée parce qu'il pleut et je veux que l'eau s'écoule de chaque côté de mon sac de couchage et pas dans mon sac de couchage. Mais sa fonction, ça va être généralement, tout simplement, principalement, de boire mon café. Et c'est une fonction déjà bien sympa. Donc on a quasiment fait le tour des éléments que je vais trouver à l'extérieur du sac. Il y a juste quelques éléments ici, au niveau de la ceinture lombaire, dans une toute petite pochette que j'ai ajoutée, de chez Savota aussi. Ces éléments, ça va être une corde à nœud avec un mousqueton, pour accrocher mon sac à un arbre, rapidement. Le dernier élément qu'on va trouver, en plus de la pochette souple de mon filtre à eau et de la corde à nœud, ça va être ici, maintenu en place par un élastique en chambre à air, une moustiquaire de tête. Et ça, c'est un élément de confort absolument indispensable dans certaines zones forestières qui sont infestées de moustiques. Et ça m'arrive de passer du temps dans des zones forestières comme ça. Je peux vous garantir que ça change la vie. Ça améliore vraiment le quotidien. Ne serait-ce que le temps d'installer le campement et de mettre en place ma moustiquaire de bivouac, ça change la vie. Maintenant, je vous propose de passer au contenu du sac en lui-même. Mon hamac, donc c'est le hamac Soloniac, un hamac que j'ai appris à apprécier, à utiliser.
qui est bien, tout simplement. Son principal point noir, je dirais, que c'est d'avoir été fait dans une matière en nylon ripstop, plutôt que dans une matière type toile de parachute. Je pense qu'on aurait pu utiliser une matière un peu comme sur mon hamac Ticket to the Moon, une espèce de toile de parachute, mais tisser ripstop, peut-être pour améliorer la solidité, la durabilité. C'est une idée. Donc le hamac est fourni avec une pochette de rangement qui est munie de sangles de compression, et ça c'est bien, c'est vraiment bien. Les sangles, on peut s'en servir pour comprimer les cordes de fixation du hamac, ou les sangles, moi je préfère utiliser des sangles. Hop, on peut des sangles assez grandes, voilà, dans lesquelles on peut mettre pas mal de choses, et ensuite les maintenir comprimées. Donc c'est toujours bien d'avoir des sangles de compression sur ces pochettes. Ah, mon pull en laine. D'ailleurs, j'y pense depuis tout à l'heure, je vais l'enfiler. Comme ça, les moustiques vont un petit peu moins me bouffer le sang des bras. Et du coup, ah, je l'aime bien ce pull en laine, c'est vraiment un cocon. Un cocon de bien-être. Ah, je me sens bien là. Là, je me sens bien. En plus, il a une couleur assortie. Non seulement il a une couleur assortie à ma casquette de papy, mais en plus, des tipis. C'est parfait, moi qui aime bien camper en tipi. Donc c'est le pull sur lequel j'ai fait les boutons en bois moi-même, que j'ai cousu moi-même. Voilà, donc c'est un pull 100% fait main. Il a été tricoté par Nadine, de la Patte de l'Ours. Et puis, ben, modifié par Nico, de Chartreuse Nature. Voilà, donc c'est un pull que j'apprécie beaucoup. Je me sens mieux là déjà. Les sangles, je vous en parlais tout à l'heure, bon, c'est très volumineux les sangles, plus que des cordes. En termes de résistance, ben, je pense que ça se vaut, hein. C'est équivalent, puisque dans le hamac, je vais pas mettre 850 kg, je vais mettre un bonhomme de 80 kg, donc est-ce que j'ai besoin d'utiliser des trucs hyper solides? Ben, la réponse est clairement non, à mon sens. Donc voilà, les sangles du hamac et les mousquetons pour fixer le hamac, ben, je les porte sur les passants de ceinture de mon pantalon, tout simplement. Ça me permet de transporter mes clés, d'autres éléments. Et après, quand j'ai besoin d'installer le hamac, je défais les mousquetons. J'installe les sangles à l'arbre. Mousquetons, hamac, c'est réglé. J'aurais même pu faire une chaise hamac pour tourner cette vidéo. Ce sera pour une autre fois. La moustiquaire. Moustiquaire de chez Soloniac aussi. J'en suis très content. Ça fait le taf. Ça fait le taf qu'on soit en hamac ou au sol, on peut l'utiliser sans problème. Si je l'utilise au sol, puisqu'elle a deux ouvertures, elle a une ouverture de chaque côté pour faire passer les cordes du hamac, alors je vais me servir de la corde, je vais refermer ces deux ouvertures et je vais me servir de la corde avec une sardine de chaque côté pour augmenter le volume, le volume interne de la moustiquaire. Et pour avoir fait une bonne sieste il n'y a pas très longtemps au sol sous l'orage, donc j'avais mon tarp installé, la moustiquaire, un matelas en mousse, j'avais fait une bonne sieste comme ça, je peux vous garantir que la moustiquaire, c'est un élément assez indispensable, malheureusement assez volumineux aussi. C'est con, c'est dommage que ce soit aussi volumineux. C'est pas très lourd, mais c'est volumineux. Ensuite, la cuisine, un élément qui revient souvent. Donc ça, c'est ma poêle à frire Cureux. Ça s'écrit Kiro, et je crois que dans leur langue, ça se prononce Cureux. Une poêle à frire en tôle, voilà, qui a pas les avantages d'une poêle à frire équipée d'un revêtement anti-adhésif, qui a pas la légèreté d'une poêle en alu ou en titane, mais c'est une poêle de charme, une poêle à frire qui a beaucoup de charme, qui est un petit peu rustique. Ici, vous la voyez dans sa pochette, ce qu'il faut acheter en option, faut acheter séparément. Une petite pochette sympathique, qui n'est pas absolument indispensable. Alors, j'ai fait le culottage il n'y a pas longtemps au four, avec des matières grasses, c'est pour ça que l'intérieur est brillant, parce que c'est gras. C'est un gras qui est pas qui est imprégné dans le métal, en fait. Et tout à l'heure, je vous parlais du manche que j'ai fait moi, donc voilà le manche de la poêle à frire. Petite vis ici, qui permet de fixer le manche dans la poêle. Donc c'est une poêle à frire que j'apprécie beaucoup. J'avais fait des crêpes à la Chandeleur avec mon pote Ian, il y a quelques mois, donc j'aime bien. J'aime bien cette poêle à frire. Elle a beaucoup de charme. Et pour mes sorties solo ou éventuellement à deux personnes, ça peut le faire. Elle est utilisable. Pour les sorties à plus de deux personnes,
si je sais que je dois cuisiner pour le groupe, j'ai le grand modèle aussi, la Cureux grand modèle, et c'est plutôt le grand modèle que je vais emporter. Mais comme je sors très souvent en solo, bah, c'est celle-là que vous me verrez le plus souvent utilisée, forcément. On va rester dans la bouffe avec ma popote, la popote Zebra. Donc c'est la Zebra, ah, j'ai toujours du mal à me souvenir la taille. Je crois que c'est la 12 cm, mais j'en suis pas sûr. Je regarderai, histoire de pas vous dire de bêtises. Et comme d'habitude, vous pouvez compter sur moi pour mettre un lien dans la description. Donc dans la popote, on va retrouver un kit cuisine avec un opinel. Je vais ouvrir ça pour détailler, vous montrer en détail. Un opinel numéro 10 à lame lisse avec tire-bouchon. Un économe pliable, donc c'est économe numéro 6. Un petit bout de tampon abrasif. Et puis une boîte hermétique qui contient mon sel de Guérande au piment d'Espelette. Donc c'est le kit du gourmet en fait, du cuisinier gourmet quoi, tout simplement. Et ça, bah, ça va trouver place dans ma popote. Donc, le couvercle. Une petite lingette microfibre. Ah, le miel, on va parler tout à l'heure. Une boîte pour mon café, une boîte pour mon sucre. Mon miel. Donc un super bon miel. Et tout ça, bah, c'est transporté dans la pochette. Bon, pour ranger ensemble, je fais comme ça tout simplement. Je ferme. Ensuite, avec le lien en cuir, j'ai fait un nœud coulant, de façon à pouvoir serrer. Et ça reste à peu près fermé. Bien. C'est pas trop mal. Avant-dernier élément, couchage. Donc dans cette pochette, on va retrouver mon sac anti-humidité. C'est un sursac. Donc c'est le modèle Bivy Escape de chez SOL. Ça fait des années que je m'en sers, j'en suis vraiment très satisfait. Il n'y a pas de condensation, ou alors vraiment très peu, qui se forme à l'intérieur. Et j'aurais tendance à dormir habillé à l'intérieur. Donc évidemment, je retire mes chaussures. Et j'aurais tendance à me mettre habillé à l'intérieur. Et ça, c'est un élément que je vais mettre à l'intérieur du sac de couchage. Donc je vais l'utiliser comme un sac à viande, pour éviter de salir mon sac de couchage. Et il va me maintenir un peu plus au chaud. Il va me permettre de grappiller quelques degrés en plus par rapport au sac de couchage. Ou à la couverture en laine utilisée seule. À ça, je rajoute une paire de chaussettes en laine qui va me donner chaud aux pieds quand il fait pas trop froid et que je vais utiliser avec ma gourde métallique en bouillotte. Donc je fais chauffer de l'eau, je la fais pas bouillir, juste chaude, frémissante. Je mets le couvercle, je mets la gourde dans une chaussette en laine, dans une deuxième chaussette en laine, je fais un nœud et j'ai ma bouillotte pour la nuit. Et comme ça, toute la nuit, j'ai les pieds au chaud. Et je peux même me mettre pieds nus, ça marche très bien. Le dernier élément, ah non, avant-dernier élément, ça va être un sac de transport qui va empêcher la chaleur d'atteindre trop rapidement. Généralement, je me sers de ce type de sac. Voilà, c'est une sorte de sac de congélation. J'achète ça à la halte fermière, là où j'achète mes produits directement d'éleveur. Ça me permet de transporter de la viande plusieurs jours de suite quand il fait chaud sans avoir trop de problèmes de bactéries. J'ai fait ça pour mon poulet que je voulais passer à la broche par exemple, et ça permet de conserver le poulet relativement bien. Et le dernier élément, ça va être une pochette. Donc ça, c'est une pochette faite par Romain de Explore Design Gear. Alors ces pochettes, il les fait lui-même à la machine à coudre. Donc il achète le cordura au mètre, il achète les zips, paracordes, les sangles, et puis bah, le mec fait ses pochettes comme ça. Il compte déjà pas mal de clients. Alors lui, vous le trouverez nulle part ailleurs que sur Instagram. Pour l'instant, il n'a pas de boutique Etsy, il n'a pas de site internet, pas encore du moins. Il a vraiment un certain talent. Ses créations sont vraiment bien pensées. Donc moi, dans cette pochette, je vais simplement mettre des bouquins que j'aime bien avoir avec moi, qui vont inévitablement rajouter du poids dans le sac, mais c'est pas très grave. On a mon guide pratique des plantes sauvages, qui a été rédigé par Laurence Talleux, une experte dans le domaine des plantes sauvages. On a mon guide du froissartage, c'est une réédition. Et puis un calepin Rodia pour prendre des notes, et puis un stylo Bic classique. Donc ça, on peut dire que c'est ma trousse divertissement en quelque sorte, mais aussi information, parce qu'on va retrouver deux guides qui ont leur importance pour moi. Je ne sais pas si je devrais vous les recommander comme premier achat de livres pour ceux qui commencent à s'équiper en rapport avec le bushcraft,
Mais très certainement, Les Guides sur les plantes, c'est un des premiers livres que j'ai eu. Et j'en ai pas beaucoup des livres sur le monde, le milieu naturel. Et c'est vraiment un livre que j'apprécie beaucoup. Ouais, allez, je vous le recommande. Je vous recommande de l'acheter. Parce qu'en plus, son format permet de glisser dans une poche ou un petit sac et de l'avoir sur soi quand on va se balader en forêt. Donc c'est toujours intéressant à avoir. Donc voilà les éléments que je vais emporter avec moi en bivouac. Mais c'est modulable. Je ne vais pas emporter systématiquement tous ces éléments. Ma popote, par exemple, je ne vais pas l'emporter systématiquement. Je vais prendre 2-3 éléments du contenu que je vais mettre dans une petite pochette. Et puis je vais cuisiner dans ma tasse. Ou même dans ma gourde. Ça m'est arrivé de cuisiner dans la gourde. C'est faisable. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous ai dit à chaque fois, donc je vous ai présenté à chaque fois le matériel, élément par élément. Je ne vous ai pas forcément donné le nom, la marque de chaque élément. Mais ça, vous le retrouverez. Je vais essayer de faire une liste avec chaque élément présenté par ordre alphabétique dans la description qui se trouve sous la vidéo, avec à chaque fois des liens où vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour pour le trouver sur Internet. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser sur le matériel dont je vous ai parlé, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Je ne vous garantis pas que je vous répondrai dans la minute. Ça peut prendre quelques jours, parfois quelques semaines, mais n'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ensuite, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça prend pas longtemps de vous abonner. Ça nécessite par contre de créer un compte YouTube, un compte Google Mail. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de recevoir vos mails dessus. Vous pouvez simplement faire un compte Google Mail pour vous abonner aux chaînes YouTube que vous appréciez. Dans ce cas, si vous vous abonnez, cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie une vidéo, un post, parce que j'utilise aussi beaucoup la fonction des posts pour vous parler de mes projets, pour vous soumettre un sondage. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, à me le signaler en cliquant sur ce pouce. Si la vidéo vous a pas plu, bah, vous pouvez cliquer sur ce pouce, c'est pas un problème. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis vous pouvez me dire aussi que vous avez apprécié cette vidéo dans les commentaires. Vous pouvez me laisser un commentaire simplement pour me dire bah, merci parce que cette vidéo m'a permis de trouver un élément qui me manquait, que je cherchais. Grâce à la description de la vidéo, j'ai pu le trouver simplement en jetant un coup d'œil et en cliquant sur le lien. Donc c'est toujours intéressant si ce type de vidéo peut vous éviter de reproduire les erreurs que moi j'ai fait dans le passé. En tout cas, c'est le but de cette vidéo. C'est pour ça que je partage. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir passé ces... je pense que la vidéo va durer longtemps. Donc on va dire cette heure, peut-être cette grosse heure en ma compagnie. Et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt. Salut.